Direction le jeu. Le tif. Les spams sont interdits, monsieur, sur cette chaîne. Ah, excuse-moi. Les spams sont interdits. Oh, qu'il est beau. Eh ben, ça a l'air d'être bon. Est-ce que vous m'entendez? Salut les gars, salut tout le monde. Salut, salut. Alors, alors je suis avec Vince, je suis avec Seb, salut Fax, salut Guigui, salut Kevin, qui c'est que j'ai pu saluer? Revax, Farming Savoyard connaît pas celui-là. Il y a Monsieur Morard qui est là aussi. Oui, il y a Kevin, ouais, tout à fait. Merci pour le follow, English. Donc Revax, Revax nous rejoint. Donc je suis au volant et ça, et c'est parti. Alors il faut juste que je détermine champ numéro 72 dans quel sens on part. Mister lui, salut, merci pour le follow. On est bien sur le grand dur. Vous entendez bien la musique des follows ou pas? Parce que moi ça me casse les oreilles dans mon casque. J'entends, moi j'entends. Ouais, t'entends, parce que moi ça me casse les oreilles, c'est un truc de fou. La petite marmotte, salut à toi, merci pour le follow. Allez, on est parti, faut que je me remette avec le volant parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas touché le volant finalement. Il y a une mise à jour d'American Truck, vous savez ce que c'est vous? J'ai vu que Steam était parti pour faire une mise à jour. Non, j'ai pas vu. Nickel un peu fort, ouais. Bon bah écoute, trop fort la musique. Le simulateur le rein. Salut Kevin, comment tu vas? Salut, ah, Gomix, alors je sais pas qui c'est Gomix, si c'est Fab, si c'est... Ça doit être Fab. Un petit coucou avant d'aller tourner sur la Normandie. Bah écoutez, salut la GX, salut Fab, salut Dodo, salut Bat, salut Mamat. Et tous ceux que je connais pas, salut Mister Lu. Ça va bien, merci à toi. Écoute, est-ce qu'on peut faire venir... Il y a Rémi qui demande s'il peut venir ou pas. Ah bien sûr, tous ceux qui font partie de la team sont les bienvenus, absolument. Il n'y a aucun souci, même ceux qui en font pas partie, hein, tu gères. Ah ouais, ça marche. Tu gères la fougère. Bien Kevin, merci. Salut Rémi. C'est les vacances. Salut Rémi. Salut. Bonsoir. Salut, salut. Alors je prends la bonne direction, ça va être encore chaud là, de regarder le chat, le machin, le site. Et c'est rare des streamers qui sont en avance. Hein. Hein, vous le noterez quand même. J'ai annoncé un peu plus tard pour être tranquille. Pour une fois que t'es en avance. Salopard celui-là. Allez, on commence à tailler un peu le Savoyard. Ah bah il faut bien. Hein. Ah, bah, vous êtes invité pour ça. Hein. Bon, vous me dites ce que ça dit au niveau de la qualité vidéo, comme d'habitude, hein, le son, etc. Si vous entendez bien ma voix, si vous entendez le son du jeu, bon, c'est pas trop grave en soi. Ouais. Mais ça a l'air d'être pas trop dégueulasse. Je vois que enfin mon overlay est revenu. Ah, hop là, arrête-toi mon gars. C'est ici que ça se passe. Alors c'est quand même la galère, il faut que je configure pas mal de touches sur le volant. Je suis encore à moitié avec le volant, à moitié avec le clavier, à moitié avec la souris. Donc c'est pas c'est pas forcément très évident tout ça. Mais bon. Tsendono, il a acheté le volant Farming Simulator. Oui, j'ai regardé au moins le début de la dernière vidéo là, la numéro 8, je crois que c'est sur Akendorf, et effectivement vous en parliez dedans, je savais pas, donc bien. Il a dit que c'était bien en plus, non? Ah ouais, bah il est content parce que maintenant il a plus besoin de la souris ou du clavier. Et le clavier, il a besoin un peu du clavier pour les touches spéciales sur. Sur les machines quoi, tu sais, les modes par exemple. Et non, il m'a dit j'ai plus besoin du clavier et plus besoin de la souris. D'accord, bah c'est bien, impeccable. Bon, ça a l'air d'être bon, impeccable. Alors qu'est-ce qu'il me dit, ça doit être Fab ça, je joue doucement l'accélérateur, t'es pas en kawa. Ouais, c'est sûr. Comment tu fais pour la série machine pour que tes brains prennent tout? Bah ça dépend de la map, hein. C'est pas ou c'est le multifruit, je pense aussi, le mode multifruit qui permet ça. Ouais, c'est ça. Salut Patrick. Bah écoutez, on est bien là, on va laisser ça, il a... Ok, qu'est-ce qu'on va récupérer comme tracteur? Bah écoutez, John Deere, hein, tant qu'à faire. Je dois avoir... Oh là 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 là. Allez, John Deere, on va prendre, j'ai de la benne qui traîne dans le coin là, hop. On va prendre des bennes qu'on a le droit d'avoir nous et que les autres n'ont pas le droit d'avoir pour foutre la mort un peu aux gens. Ah ça fait rigoler Vince, hein. ça fait rigoler Vince. Ah putain, arrête de m'envoyer des trucs de cul, Vince. des trucs de gay surtout. J'ai une page et on va me prendre pour un gay maintenant.
C'est excellent, que des trucs. Elle est propre ta Jaguar, dis donc, tu l'as trouvée sur quel site? Ouf, elle date de longtemps et en plus elle a pas les bureaux, donc elle est pas si propre que ça. La CNAF. Ouais, la 980, c'est une ancienne. La d'Angreville, Al Salo, voilà, tu vois, on va faire réagir les gens un peu. Salut Brony 73, Savoyard peut-être. Ah, Fox Rider, ah, c'est le JD qui était sur le terrain de hier. Et ouais, c'est le John Deere dodo, c'est le John Deere qu'on est rentré dedans en fait. Et massé avec enfoncé. Ils sont cons. Je crois que c'est dans le bon sens là. Allez, c'est parti, on va aller tranquillement se faire un petit peu d'ensilage. Donc c'est ma partie de la série sur le Grand Jura, que vous avez pu voir au moins deux vidéos déjà. Ouais, deux vidéos de la série. Bon, vous avez pu constater qu'il y a un petit peu moins de farming sur la chaîne. Bon, il y a d'autres choses, et il y a aussi moins de temps. Donc voilà, et puis bah, c'est vrai que donc on a MXGP, on a plein de surprises avec MXGP. Donc je peux déjà vous annoncer, demain on fait la souche, Seb, ou pas alors? Ouais. Donc bah, je peux déjà vous annoncer demain qu'il y a la souche, donc après en live ou en vidéo, je sais pas, ça on verra bien. Ouais, je sais pas encore, le rallye de voilà. La souche. Je peux déjà également vous annoncer que jeudi soir, même heure, 22h en gros, avec la GX et la FFA, il y a du MXGP. Yeah, ça va être bon. Je pense qu'on va rigoler. Guigui 53000, génial ton intro MXGP. Bah écoute, merci. Je prends beaucoup de plaisir à faire mes intros en fait. C'est pas compliqué en soi. Il y a vraiment rien d'extraordinaire là-dedans. Il suffit de trouver le trailer, de retrouver une bonne musique. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, je trouve, moi, la musique. Ouais. Mais voilà. CCCV, coucou, ça va, j'imagine. Salut Noah Colette. Noah Colette. Allez, deux fois Colette. Qu'on se connaît, farming, le con, mordeur. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Deux fois depuis que l'on se connaît, mordeur, le con. Pas compris, Kevin. Peux-tu faire de l'herbe toi, après? Bah, pourquoi pas? Pourquoi et... pas? Alors, on est 28 quand même, content. Sur Twitch, ouais. C'est pas évident. Il est 22h14. 15, ouais, enfin, en tout cas, moi j'ai 15, ouais. Donc on est 28 sur Twitch, voilà, il y a quand même un petit peu de moins de monde en général, donc là je suis content. Si on a atterri à tenir une trentaine, on est bien. Je suis content. Ah, c'est bien là. Alors, hop. Mais moi j'ai le regret de vous annoncer que je devoir partir. Ah, enfin. Bah écoute, merci, c'est gentil. Ouf, j'ai cru que t'allais rester, Rémi, putain. Ah bah ouais, mais c'est là qu'on est petit, hein. Non, je t'écoute. C'est quoi, t'es pas en vacances toi? Ah mais si, mais tu y vas. Bon, bah écoute, pas de soucis, Rémi. Merci d'être passé en tout cas, c'est sympa. Au revoir. Salut, à plus. N'oublie pas les ridelles d'ensilage. Alors, bouge pas, les ridelles d'ensilage. C'est quelle touche, les X? Non, c'est pas ça. C'est quelle touche, Kevin? Fatigué, toi. Oh, je vois pas les ridelles dans le silage, Kevin, sur la mobile. Vas-y, Michel. Essaye Keypad 7 pour voir. Le 7 rien ouais, et tout. Keypad, rien et tout. Ouais. Il y en a pas sur celui-là. Ouais, je crois pas, hein, Kevin. Non, il a fumé. Ouais, c'est Kevin. Ouais. Il est en vacances, il délire. Bon, bah, c'est la première. Salut Clément. Salut Clément, ouais. Les gens connus. Les gens connus qui suivent, ouais. Trop tard, il y a des ensilages. Ouais, non, mais de toute façon, avant, il n'y avait pas non plus. Hein. Enfin, il n'y avait pas de touche en tout cas. C'est la première fois que j'encile à la. Avec le pied sur le curateur. Jojo. On a atteint les 500 abonnés. Oui, j'ai vu ça. Félicitations. Félicitations. Merci. Bravo. Merci. Bah, t'as créé les 7 comptes qui manquaient en fait. Voilà, c'est ça, ouais. J'en ai un compte. J'ai un vieux compte. J'ai même voulu le créer pour faire 500e. Mais bon. On est des vrais abonnés quand même. Merci pour le follow, boulot. Je suis désolé pour ceux que je rate parce que je peux pas voilà, avoir l'œil partout. Si Seb, quand tu vois les follow, tu peux me les donner ou Vince, comme tu veux. Si Fanox 44 veut rejoindre le surveillant. Je viens de la
percevoir. Ouais. Salut Thor, 89 000. Allez, on est 37, ça continue à monter. Ah bah je suis déjà plein. Elle est sympa ta barre de couple. Ouais, c'est une... Qu'est-ce que c'était déjà? Attends, je vais te montrer ça, Vince. Salut Émilie Nango qui vient de nous rejoindre. Ben merci à toi. Émilie, une fille, tu joues à Farming ou pas? Ah mais c'est peut-être des trucs bien. C'est la classe Easy Collect 900, Vince, tu vois, je l'ai montré. D'accord. Ça va arriver. Bon bah écoute, direction, okay. Hop. Ah bah il y a Dorian de la GX qui nous quitte et qui nous dit à jeudi. Eh ben écoute, merci à toi d'être passé, à plus plus. Je crois qu'on va ramener l'autre Ben, hein, parce que on va être vite Keblo. Alors résultat des courses, les silos, il y en a bien où des silos dans cette carte là, parce que finalement je vais pas plus pratiquer que ça. Et attends, il y a juste Emmerich qui vient de Topolo. De la ferme principale. Merci Vince. Ouais. Ou alors t'as le BGA qui est pas loin. Je vais mettre ça au BGA. Il y a le lapin des 170 qui t'a rejoint. Bon, on va amener ça à la ferme, tant qu'à faire, comme ça on sera moins chier. Allez, impeccable. Vous entendez pas trop le volant? Non. Parce que là j'ai quasiment le nez sur le volant pour toucher la souris, vu que moi j'ai un PC portable. Toujours un plaisir, vos lives et vidéos, Farming Savoyard et FFA, fidèle au poste, à chaque vidéo quasiment. Ouais Clément, c'est vrai que ton pseudo, je le vois souvent, très souvent. Ouais, c'est clair, ouais. Et c'est merci pareil à toi de me suivre et de nous suivre. Ouais, merci, merci. Ça fait plaisir de voir les gens qui continuent à nous suivre. Enfin, un peu. Pour la FFA, ça, c'est nouveau, entre guillemets. Et j'espère qu'ils auront le même plaisir après la durée que j'ai, moi, quasiment un an et demi, je vais dire, en gros, de voir des gens qui les suivent depuis le début. C'est vrai que des fois, on me dit, ouais, je te suis depuis tes... Des fois, la dernière fois, c'était depuis le 6e abonné. Alors, je sais pas si t'imagines. Le mec 6e abonné, il y en a 14 600 et des bananes au jour d'aujourd'hui. Donc, écoutez, content qu'il soit toujours. Ça fait un peu loin, ouais. Ça fait un peu, là. Ah, ouais. Kevin... Kevin, avec... c'est un des tout premiers. Mais Kevin, il s'est désabonné, il s'est réabonné. Salut Steven. T'as le Xeon 3800? Non, je l'ai pas téléchargé. J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs. Et après, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait le Xeon 3800 pour l'Emken, je sais pas trop quoi là. Ouais, exact. Donc, non, j'ai pas encore. Mais est-ce que t'as. Avant, t'avais mis des payants, toi? Ouais. Il y a Guigui qui demande si ça change beaucoup le 2 du 1. Moi, j'ai pas fait le 1. Alors, graphiquement parlant, il est un petit peu plus joli le 2, c'est clair. Au niveau du son des motos, c'est la même merde. C'est vraiment pas terrible. Après, il y a des nouveaux circuits. Bon, ensuite, après, il y a des nouveaux circuits par rapport au 1. Il y a quelques changements, il est plus agréable, on va dire il est plus agréable, c'est très très fluide, hein. Il n'y a pas besoin a priori je pense d'avoir un PC de compète non plus pour faire tourner, Nuno peut-être pourra confirmer ça. Ouais. Mais non, bien, le 1 était bien, le 2 est encore mieux, voilà, c'est une évolution normale. Ah oui, c'est les silos à plat là, il n'y a pas de muret. Là. Oui. Alors comment il a testé le Xeon 3800, il dit qu'il n'est pas top. Bah écoute, c'est bon à savoir parce que tant qu'à faire, si c'est pas top. Au volant, c'est lequel? C'est un G27. J'ai pris un G27 d'occasion. Alors, comme la politique, ça, le G27, non? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Regarde si c'est pas beau. J'ouvre les portes à l'arrière avant de vider. Là, c'est tip top. Le tracteur, il accélère pendant que ça vide. Ça, c'est propre aussi. Ça fait connaître la FFA. Ils sont super quand tu es tout. Comme ça changeait rien, mais merci Mister Lui, c'est vrai que je t'ai vu le dernier coup sur le live. Tac, si c'est pas beau ça. Allez, c'est bon, pareil Clément, de même avis. Yep. Mister Lui, c'est ça qui dit que je vous ai fait connaître, bah c'est tant mieux. Si je vous fais connaître, c'est le but du jeu. Bah en même temps, Juju a rejoint la FFA voilà. Aussi. Bah maintenant, effectivement, ouais. J'ai encore pas tout à fait tout mis à jour, mais ça ne saurait tarder. Non, je l'ai fait chier maintenant. Maintenant il regrette. Non, on en redemande. On en redemande. Pas encore. Il y en a qui dit pas encore et l'autre dit on en redemande. Putain. Ouais, bon, on n'est pas dans la même région, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Vous appréciez pas de la même manière en fait. Vous vendez du rêve quand même. Ouais, bah, on essaye en tout cas de vendre du rêve. Je sais pas si on vend quelque chose. C'est gratuit en plus. Ouais, c'est bien. Sachez-le, c'est gratuit.
On donne du rêve. C'est exactement ça, on donne du rêve. Mais en même temps, entre un Bordelais, un Savoyard et un Breton, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Putain, ouais, on commence à quadriller la France quand même. Ouais. Il manque plus qu'un dans l'Est, le Grand Est maintenant, puisque ça s'appelle Grand Est. Et un autiste. Et un autiste. Totalement gratuit, Joe Lapin. Ouais, mais ouais. Bah, tu peux le faire devenir payant hein, si tu veux. Tu peux, si tu le souhaites, le faire devenir payant le contenu. Hein. C'est à ton bon vouloir, et pas de soucis. Par contre, Jojo, il y a pour verser un truc à Farming Savoyard, il demande pas moins de 2000 euros. Hein. Ouais, on avait dit trois chiffres minimum. Hein. Ah, trois chiffres. Ouais, trois chiffres minimum, et on disait pas où on mettait la virgule. Voilà. 0,01 centime, ça marche. Putain, l'escroc, j'en étais sûr qu'il allait venir ça, lui. Escroc. Ah, tu contactes Farming Savoyard en privé et il te fera un devis. Il faudra que je règle ça, Kevin. Ouais, la musique du follow, moi ça me casse aussi les oreilles. Il faudrait que je voie ça sur Twitch. C'est fin, ouais. Ah, ça envoie du gras. Pourtant, c'est vrai que j'avais baissé, mais bon, là pour ce soir, ça va être comme ça. Arrêtez de follow. C'est autant que le dernier coup sur YouTube, non? Je pense, ouais. Ouais, on était sur une moyenne de 30, je vais dire. Si on a une moyenne de 30, franchement, ouais, une moyenne de 30, ça me va. Ouais, d'accord. Une moyenne de 30, ça me va. Parce que j'étais étonné, une fois, je regardais une vidéo de Galax qui disait que lui, il arrivait péniblement à 30 en live. Alors, j'étais quand même très étonné de cette information-là, sachant que lui, il a 167 000 abonnés, je crois, une connerie comme ça. Oh, c'est beau. Ah oui, énorme. Ouais, il progresse vachement vite. Bon, en même temps, il y a du travail. Bon, en même temps, il y a que ça à faire aussi. Hein. Ouais. Donc il peut avoir le temps de produire des choses bien, mais bon, c'est pas un reproche, hein, il a raison, s'il fait son truc, tant mieux. Mais ah, c'est vrai qu'il disait qu'en live, péniblement, il atteignait des petits chiffres, donc c'était étonnant que les gens ne suivent pas en live en fait. Et là, je viens de réactualiser la page, on est à 47 là. Ouais. Ah ouais, 47 effectivement. Seb, tu as testé la version 2.2, oui je crois. Hein. Ah, j'ai pas vu ce message. On a mis Akendorf 2.2 hier sur le serveur. Et Vincent Frost qui va être d'accord avec moi, c'est une tuerie. Faut que la RDL parce qu'elle en fait plus. C'est un truc de malade quoi. Les mecs, c'est des fous. Les corps qu'on crée, ces maps là, c'est tellement elles sont bien faites. Pour moi, c'est dans le top 3. C'est Akendorf, elle fait partie, ouais, peut-être de la première de toutes mes maps. Merci clair, Thiago pour le follow. C'est une des meilleures maps, c'est sûr. Par contre, si vous avez déjà Gendorf, l'autre version, mettez-la avant de mettre la nouvelle. Ouais. Par contre, c'est pareil, vous gardez donc si vous aviez le 1.3 de Gendorf, hein. Si vous passez en 2.2, vous gardez vos sauvegardes de la 1.3. Ouais, c'est pas mal. Salut mon Toubi, comment il va mon Toubi? Salut Toubi. Avec Toby maintenant qui tu nous as fait connaître Toby, il nous suit sur YouTube, dès qu'on met une vidéo, il poste juste après. Très très bon gars Toby, très bon ami, très bon ami. Et donc Toby, on remettra bientôt ça sur ATS, hein, bien évidemment, un petit peu moins de temps, mais on remettra ça. Il a téléchargé NMS Hybrid sur V3, oui je l'ai téléchargé, mais alors, on n'a pas réellement eu le temps de jouer. Putain ça remplit. L'inconvénient c'est que tout est en allemand, ouais, mais Seb il va le traduire, il nous a dit. Je vais la traduire pour nous. Donc par contre je vais changer de ben les gars, parce que 21 000 là dans Greville ça va pas le faire. On va trop faire de trajet, ou ce qu'on peut faire c'est venir avec deux tracteurs déjà. Jojo Lapin a rejoint le Savoyard. Ça fait un moment que tu commentes et t'avais encore pas follow Jojo Lapin. Nah, dis donc. Ils sont trop bien. Ouais, les silos sur NMS Gebrich, ouais, j'ai vu ça sur une vidéo d'LSA. Ouais. J'ai même pas fait le tour des modes qu'il y avait en ce moment, les nouveautés. Il n'y a pas grand chose, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai que la petite vipère, Mathieu, merci pour le follow. Voilà.
Il y a le silo qui ressemble à un vrai silo, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout plat, tout lisse, t'as l'impression que tu tapes dedans. Bah, tu regarderas une vidéo de LSA, il en parle tout de suite au début, t'as pas besoin de te taper toute la vidéo d'ailleurs. Ouais. Tu regardes au début et il montre, tu tapes dans le stylo dans le silage en fait. C'était comme d'ailleurs sur la map de Tchatch Valley. Tu vois le silo qu'il y avait derrière les vaches, je crois, qui était silo décoratif, mais ouais. Celui-ci, il est actif. D'accord. Donc très très bien fait, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Il recule en fait, il descend pas à la verticale mais il recule seulement. Elle est sortie quand cette map là? Il y a un petit peu déjà, on va dire 2-3 semaines peut-être. Hein. J'ai même pas vu passer celle-là. C'était une très très belle map et là elle était sortie en V3, ouais, j'ai vu ça, je l'avais chargé parce que j'avais voulu en faire sur une ancienne version et finalement j'ai pas eu le temps, donc voilà quoi. Toujours une histoire de temps. Il y a un commentaire là de Clément Push. Qui moi dit sur Agendorf, j'ai eu un bug, il a fallu que je vire toutes mes autres maps et autres modes multifruits associés. Donc impossible de créer une partie sur cette map. Ah bah c'est alors, bon à ce que savoir. Ce que je te conseillerais, moi, Clément, c'est de faire un dossier par map. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Ouais, comme moi. C'est ce que j'ai, c'est ce que nous, on a. On a un dossier par map. Et à chaque fois que tu veux changer, tu mets ton dossier. Tu mets tes modes que tu veux, en fait. C'est beaucoup plus simple, mais pas moins. Et le conseil de notre Vincent, conseiller technique informatique. Oh non. Sur FS15. Oui, il y aura une rediff, passion paysage, je mettrai ça sur la chaîne. Allez, on va faire comme ça, on va passer par le... Quoique j'ai une autre benne là, ouais, j'ai une autre benne là et un autre tracteur. On va en profiter, on va en faire deux. Ça change ces silos là. Ça change ouais, un peu. Ouais, c'est différent là. Hop, il fait ça bien, hein. Il ouvre la porte, il ferme la porte, ah tout, ouais. Hein. On fait pas ça comme un bourrin. Hein. Impressionnant comme mec. Hein eh, professionnel, hein. Eh, mine de rien, professionnel le mec. Hein. Mine de rien, mine de crayon, mon pote me disait toujours. Alors, ce qu'on peut faire, on va faire comme ça, on va récupérer le Dutz Warrior, ou on va faire plaisir à quelqu'un. Allez, soyons fous, regarde. Faire plaisir à quelqu'un. Ah ouais, mais non, il est trop... il manque de patates. Je voulais prendre le petit Masset, mais c'est un 6613 sur la benne, il va être un peu short. Puis c'est de la dub en plus. On va quand même faire plaisir à quelqu'un, c'est vrai que j'ai le 77 ou 76. 77-26, voilà, sur la benne ça va être tranquille ça. Y'a que ceux qui connaissent rien qui aiment bien les MF. Les MS. On en procès. Allez, c'est parti, c'est cadeau celle-là, elle était cadeau. Cadeau FFA. C'est gratuit. Allez, c'est gratuit. Donc là, celle-ci, par contre, elle doit avoir des ridelles en silage. Hein. Changer les ridelles, qu'il n'y ait pas de 7. Voilà, ça c'est bon. Impeccable. Ouais, donc c'était bien le 7 pour celle-ci, mais sur la Dangerville, il n'y a pas, hein, je pense. Je pense qu'il n'y a pas. Salut SamSam62500. Ah, SamSam, ouais. Salut, comment vas-tu? Alors c'est qui joue avec moi? Il n'y a personne qui joue avec moi. Je suis accompagné. Je suis accompagné seulement sur le TS par donc Seb et Vince qui font partie de la FFA. Donc je fais partie maintenant. Donc, je suis tout seul. Je suis pas tout invité, seul ce soir. Ouais, je les ai pas invités. Ouais, il veut plus de nous. Je veux pas encore d'eux. Non, ce soir c'était prévu. Voilà, j'avais pas. Oui. Voilà, c'était vraiment histoire de faire du farming parce que voilà, on me demande du farming. Et c'est vrai que pour l'instant, ouais, c'est vrai qu'on avait pas mal d'autres choses. On a le rallye de la souche, pour ceux qui connaissent. Le principe du rallye de la souche, c'est sur farming. Mais bon, c'est du rallye, donc c'est pas tout à fait de l'école. Ouais, mais justement, je vais plus t'en parler de ça. Demain, donc si on se fait ça demain, ça sera donc le dernier épisode sur le rallye de la souche. Ouais. Et juste après, on passera sur Hackendorf, le rallye de Hackendorf. Aïe. Et avec la boue. Avec la boue, avec, eh oui, avec le mode de la boue. J'ai encore pas réellement testé ce mode de la boue finalement, moi, perso. Ouais, c'est une tuerie. Réellement. Salut Anto. C'est exceptionnel. Donc voilà, et puis jeudi soir, donc n'oubliez pas jeudi soir, alors je sais pas sur quelle chaîne ça sera, est-ce que ça sera sur celle de la FFA, est-ce que ça sera celle de la GX, est-ce que ça sera sur la mienne, mais en tout cas voilà, on sera tous sur MXGP2.
Donc n'oubliez pas, venez. Voilà, j'ai joué un petit coup hier soir, moi perso, avec Fab et Dodo de la GX. Et franchement, c'est mythique en multi. Hein. Et alors, c'est comment? Ah, c'est excellent. Bah écoute, on va dire que 50-50. J'ai gagné au début. Après, ouais. C'était Fab qui gagnait. Et Dodo, il a rien gagné. De rien. Ah, il va éliminer. Après, il a dit qu'il avait des problèmes de connexion. Je sais pas oui, trop. Oui, mais c'est à chaque fois. C'est des excuses. On va le charrier un peu, hein, Dodo. Dodo qui roule uniquement en Suzuki. Moi, j'ai tout essayé. Hein, les TM, les Husqvarna, les Yamaha, et tout ce qu'on veut. Et lui, Suzuki à mort. Ouais, Suzuki, ouais. Allez, cool ta chaîne, merci Thiago, c'est sympa. Vous en pensez quoi de tous ces clashs actuels entre modeurs, annonces récentes de FT Modding? Bah écoute, moi je les comprends. Voilà, c'est simple, moi je les comprends parce que... Enfin, après, qu'est-ce que t'entends par clash? C'est les modeurs qui se clashent entre eux, c'est ça? Est-ce que c'est le fait que... Voilà, en plus, c'est les modeurs qui se clashent entre eux et en plus ils sont assez cons pour mettre les discussions privées sur leur page, quoi, carrément. Ah. Donc effectivement, et s'ils ne peuvent pas s'arranger entre adultes en privé, enfin voilà quoi. Ouais, et j'ai pas, c'est comme si nous la FFA s'embrouillait avec la GX et qu'on balancerait tout sur Facebook et YouTube. Quoi. Ouais, bah écoute, effectivement, c'est, a priori ça reste plutôt en privé ce genre de choses là, mais bon, ou est-ce que c'est pour se rendre intéressant? Est-ce que c'est, je sais pas. Oui, bah de toute façon, après, bah, personnellement, nous les gars de la FFA, on s'en occupe pas du tout des autres chaînes à part la GX et. Et Juju, nos amis, mais sinon après les autres, ils font ce qu'ils veulent. Ah, il y a aussi, j'en profite pour faire une petite pub également, demain il y aura le Geek du matin, donc ça c'est Kevin et Guillaume qui vont faire leur premier stream. Je crois que c'est 14h sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir également. Voilà, Geek du matin, allez sur Facebook, vous avez les infos. Moi j'aime la page, donc si vous passez par la mienne, vous regardez. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ouais. Pour les encourager, ces petits genoux, ils sont en vacances. Alors, il y a Petit Chap qui dit merci Farming de m'avoir fait connaître la chaîne de Franck Onen sur YouTube. Car tu dis dans l'une de tes vidéos, il envoie du pâté sur Dirt Rally. Ah, pour envoyer du pâté, il envoie du pâté. Ouais. Avec son setup. Fac 42, j'en ai 52 là, actuellement. Ouais. 48, t'envoies. Merci Farming. Ah, ça c'est Guillaume. Ah, Guillaume, c'est toi, Guillaume. 50-70. Alors, pareil, Guy Frabel a dit qu'il a été sorti une minute, on ne sortirait pas. Bah écoute, tant pis pour eux. C'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Tant pis pour nous, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Aïe, 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 il y a Christophe. Oh non. Il y a le couteau suisse. On peut le virer, celui-là. L'homme qui taille plus vite que son ombre. Le virer ou pas? L'homme qui taille. Ah, alors ça c'est bien. Alors bouge pas, mon petit gars. Toi t'es plein, on va te mettre sur le côté. Et on va utiliser. Hop, alors Shift F. Activer. Et c'est presque bien fait, les gars. Regardez ça. Hop, on est arrière, on prend l'autre. Salut Monster Energy. Merci de passer par là. Le 17 est mort car on perd de bons modeurs à cause de gamins. Ah, c'est possible. C'est possible. Salut Matt Démange. Il y en a peut-être d'autres qui en arriveront, quoi. Il y en a peut-être d'autres qui arriveront. Ouais. Et, de toute façon, ça dépend de comment ils vont le sortir. Enfin... Ouais, déjà, faut voir comment ils vont le sortir, effectivement. On l'évoluait, quoi, en fait. Hein. Bon, c'est pas évident de jouer à la pédale et trouver la bonne accélération. Mais ça se trouve, ça se fait. Et d'un tracteur à l'autre, c'est différent, en plus. T'as pas la... Moi je pourrais régler le régulateur. Ouais, je pourrais mettre le régulateur, mais là, tant qu'à faire, volant, pédale, on va vraiment se faire mal quoi. Celle de rallye, ce sera à quelle heure, demande Fac? Oula, je sais pas encore, mon pauvre. Je ferai l'annonce sur Facebook. Sur Facebook. Même sur YouTube, je ferai une petite. Ouais, tu fais comme je fais moi, tu fais un truc de 20 secondes, là, ça va bien. Tu utilises le truc, voilà, moi j'utilise le truc, tu mets une image. Deux images même, tu peux mettre. Tu mets un bout de son, ouais. Il y a une banque de données son d'ailleurs. J'utilise toujours la même parce que moi elle me fait kiffer. Et on m'a dit qu'elle était pas bien, mais bon écoute, après j'ai envie de dire, voilà, moi ça me plaît à moi, tant pis. Oh bah c'est principal hein. Exactement. C'est mon ami Majestic. Il est dur Majestic. Ouais. Il nous aime bien nous.
Ah bah tu vois, il a changé de cheval. Ouais. Il a changé de cheval. Attends Michel, je fais demi-tour, bouge pas. Fais pas le con. Faudra un PC plus puissant pour FS17. Oh, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas parce qu'ils vont garder, je pense, le même moteur graphique et peut-être un petit peu justement améliorer tout ça, que ça soit moins. Bah, je pense que ce sera normal, comme là. Ouais, non, je pense pas, ouais. Enfin, ça reste notre avis. Alors, ouais. J'écoute, je réécoute ton intro musique, car elle est pas. Elle est. Trois petits points, pas de mots. Merdique, est... top, je sais pas. Bon, salut à Tazaros, ça t'as déjà dû le dire. Alors, mais le rallye, c'est tout le temps camion, car moi je. Bah, Guigui, est-ce que tu pourrais essayer d'apprendre à écrire, s'il te plaît? Putain. Alors, Mister Isa nous dit qu'il a. Merde, putain, j'en dans machin. Il a cramé la carte en mer. Ah, putain, ça c'est ballot ça, surtout pendant les vacances. Ouais. Surtout pendant les vacances. Salut Mister Isa. Salut Maël, salut Mister, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas. Vas-y, Michel, avance. Il est con. Ouais, quand tu veux. C'est pas le. Comment tu l'appelais celui-là, là, ton ouvrier? Michel. Michel, t'aurais pu l'appeler Fab, hein. Chez moi, l'ouvrier, c'est Michel. Chez vous, c'est Jackie. Jackie et Michel. C'est ça. C'est ça. Chez Classe DX, c'est Maurice. Chacun. Surtout pendant les vacances, ouais, c'est ce que je disais. Surtout pendant les vacances, ouais. Encore quand vous êtes en cours, bon. Donc là, j'ai le real terrain, tu vois, ça secoue un peu le tracteur, c'est quand même bien sympa. Ouais, c'est pas sur Rückendorf de coin d'œil, ils l'ont mis aussi en plus. Ouais, ça donne un peu de réalisme. Ah ouais. T'as mis un rendement là sur ce champ là. Oh putain. Allez Michel, t'as raison, arrête ton milieu du champ. Allez, c'est parti, on va vider. Ouais, t'as dû prendre un Fendt. Ah, c'est toi qui es fan de Fendt, non? C'est ça hein, c'est ça hein. J'ai, ouais. J'ai les Fendt, ah bah pareil, je vais me faire huer. Hein. J'ai la série 700 d'Agomoding, hein. J'ai la chance de l'avoir moi. Mon dieu, ce que j'avais pris là aussi. De dire que j'avais la chance d'avoir les Fendt série 700 qui sont en DL libre. Hein. Ouais. Bravo Michel, ouais, on est d'accord. Non, Jojo, si ta clé est encore valide, c'est bon. Ah bah je sais pas, il part entre eux. Attends, juste, ouais. Jojo, lapin, à mon avis. Farming Savayer, si on change de PC, on est obligé de racheter un CD Farming. Mais Jojo, tu l'as acheté comment ton jeu déjà? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, il suffit de le réinstaller. Bah, hein, parce que si même que ce soit par CD ou par Steam, normalement tu as un code. Tu as. Ouais, oui. Il faut réinstaller ton compte Steam et tu re-télécharges. Voilà. Moi j'ai deux PC, il est sur les deux PC. Enfin. J'ai enlevé beaucoup de jeux sur l'ancien, mais je pourrais les mettre autant sur l'un que sur l'autre. Après, tu peux pas jouer aux deux en même temps, bien évidemment. Ouais. Il y a un compte Steam d'allumer à la fois. C'est ça. Et attends, la nouvelle version de Hackendorf, on perd la sauvegarde ou pas? Non, Clément. On l'a fait, nous, sur le serveur. Vous gardez vos véhicules et votre sauvegarde. Alors, Azaro, tu sais mon nom YouTube quand je dégris ou bon, t'écris, j'imagine? Je pense. Bah, je sais pas, non, les gars, je peux pas deviner, hein, franchement, c'est compliqué de deviner, hein, des pseudos, j'en vois à longueur de journée, bon, un peu moins en ce moment, vu que je fais moins de farming, il y a moins de commentaires, mais c'est fou, hein, tu fais pas de farming, il y a quand même beaucoup moins de vues, c'est clair, il y a aussi carrément moins de commentaires, ouais, un truc de fou, donc écoutez, je vais pas dire que ça me fait gagner du temps, mais voilà, vu que par principe, je réponds à tout le monde, au moins à 99%. Il y a certainement des choses où je passe à travers, hein, mais sur YouTube, sur Facebook, j'essaie de prendre le temps de répondre à tout le monde, voilà, avec 24-48 heures parfois de retard, parce que le week-end, je ne réponds pas. Pas marrant, ce soir, il n'y a rien de spécial. Christophe, hein? Christophe, tu appuies sur la petite croix en haut à droite, puis tu t'en vas si ça te convient pas. Il n'y a pas Seb aussi, c'est ça le problème. Ouais, c'est vrai que moi je joue sérieux quand même, alors pas de bras cassés quoi. Bah, tiens, Seb, on va pas faire que ça de toute la soirée. Regardez, j'ai encore de l'herbe à ramasser là à côté des petites maisons que j'avais endainées avec le Oxbow. Le meilleur, Menger, meilleur Oxbow, là, je sais pas quoi. Ouais. Donc on va ramasser ça. Oui. Il y a Clément qui demande justement, il y a quoi de nouveau sur Hackendorf? Merci à toi aussi. Clément, je peux pas tout expliquer comme ça parce que j'ai déjà dû demander des posts sur mon live et puis. Profite-en, hein.
Non mais non, et puis même j'ai pas traduit, je vais pas finir de j'ai pas fini de tout traduire la map. Salut Toby, à plus plus. Ouais, salut Toby. Et c'est un peu compliqué à t'expliquer comme ça. Et pour l'instant, une fois que j'en saurai plus, une fois que j'aurai traduit, je pourrai vous le dire. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Hop. Salut, ah, voilà. Il y a un bon qui est là sur le chat, ah, le simulateur, je dis. Salut Vince, comment il va? Bah, ça c'est Goumix. Alors, on sait pas. Ça va très bien. Auto-chargeuse avec deux bennes. Ouais, je pourrais, mais là on va changer. On va pas faire que ça, je vais pas vous montrer que ça. Du MXGP2, ouais, vraiment, si vous insistez et qu'il est 22h43, pourquoi pas se faire vite fait un. Je vais perdre. Fini. Se faire vite fait une petite course à Seb là. Il suffit de. Hop. C'est la femme. Si y a Fab aussi, bien évidemment, s'il est là, on vous montre direct pour vous donner un petit avant-goût. Christophe, tu es vraiment le meilleur Juju, ça fait faux cul. C'est Christophe qui dit ça. Ouais, c'est ça. Non, mais de ta part, on n'aurait pas deviné, Christophe. Vas-y, Christophe, hein, aide-le un peu. Hein. Ça veut dire que tu connais la station de ski, soit. Au soi, bien sûr. 35 minutes de chez moi. Ah, c'est pas la meilleure station du coin. Ah. C'est très familial, quoi. C'est très familial. Petite station bien sympathique. Ça va bien pour les enfants pour apprendre à faire du ski. Ah, donc tu vas tout le temps, toi. Je pense que je sais en faire. Je sais même faire du surf. D'ailleurs, ça m'a pourri les genoux, d'ailleurs. Ce qui m'a valu le droit de me faire déjà opérer. Ok, non, c'est pas fait pour. Allez, on va changer de tracteur aussi, soyons fous. On va se prendre un petit coup, hop. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Le deut, on va aller se ramasser notre herbe. Un grand coup de warrior. C'est à quoi que tu vas prendre tu vas ramasser ton herbe là? Avec la classe, le cargo. Le cargo et puis le deut warrior. Comme ça, on fait un petit peu de tout, vider, Facebook, masser. Et j'ai vu là sur la vidéo, je sais pas s'il est encore là, Fab sur le. Ah, il est là. Fab, c'est quoi ton auto-chargeuse là, ton auto-ramasseuse de Fent? Il y avait une Fent, j'ai vu ça dans sa vidéo. Elle était sur la map, elle était sur la carte. Ouais. C'est avec la map. Elle fait partie du pack, il me semble, j'ai vu. Fab, tu me confirmes si je dis des conneries? Elle est super belle. Déjà un an et demi. Jour YouTube. Hein? Salut dit Jesse. Ah, Jesse, le simulateur non, je crois. Alors hop. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, et vous pouvez pas avoir toujours le même pseudo? En fait, je comprends pas pourquoi vous avez 50 pseudos. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui ont 50 pseudos différents. Alors après, ça c'est pour tailler, pour troller et tout. C'est ça en fait le principe, non? Ouais. Tu as de l'argent sur toi, Seb. La vente de drogue est interdite sur Twitch, s'il vous plaît. La vente de drogue Farming Simulator est interdite, s'il vous plaît. Christophe, oui, elle fait partie du pack. Tu vois, au moins Christophe, il est gentil. Ah, mais tu vois, je dis pas trop de conneries. Oui, ça va, en plus, pour une fois. Ouais, non mais le problème c'est que les chevaux, moi j'ai jamais pu y jouer parce que ça me fait planter mon jeu. Ah bon? Ouais, j'ai jamais testé moi. Je l'avais dit à Fab d'ailleurs, parce que ouais. Qu'il la faisait et c'est là que j'avais vu qu'il y avait cette fameuse auto-chargeuse Fen qu'il faudrait que je reprenne parce que c'est vrai qu'elle est sympa effectivement. Ouais. Salut DJC, à plus. L'auto-chargeuse Fen. Déjà un an et demi sur YouTube, c'est de... Ouais. Tu parles de la chaîne Farming Savoyard, c'est ça? À Tazaros, si c'est le cas, à peu près, ouais, parce que c'était 4 novembre 2014, donc ouais, c'est ça. Déjà un an et demi, ouais, effectivement. Et t'aimes bien les Normands, toi, Julien? Moi j'aime tout le monde. Moi je peux pas aller voir ces comptes normands. Hein. Bonsoir, je savais pourquoi il disait ça, parce que j'ai entendu Houston avec la Fab. Salut le Fab, comment il va le Fab?
Bonsoir à tous, ça va ? Attention, parce que là, en plus de la FFA, vous avez la GX en place. Hein. Alors attention, faites pas les cons, messieurs. La police. Attention, je surveille. La police est là, hein. Faites attention. C'est quoi ce silo chargé n'importe comment, farming là ? Quoi ? Il est bien chargé, je peux pas faire mieux. Je l'ai pas tassé. Ah, voilà. Je l'ai pas encore réellement tassé. T'as senti le MXGP2, c'est pour ça que tu t'es pointé ? J'ai cru entendre parler de ça et j'ai cru entendre parler d'une autochargeuse Fendus. C'est ça. Ah, bah t'as bien cru alors. T'as bien cru. En premier temps, je venais pour l'autochargeuse Fendus. Il est breton, Stataros. Donc, quoi, l'autochargeuse Ah oui. Ou alors, je l'ai pas découvert. D'accord. Attention messieurs, la Savoie est dans la place en la personne de Stoffour 73. Elle habite pas très très loin de chez moi. Ah ouais. Vous avez déjà fait des trucs cochons ensemble? Non pas encore. Ah non. mais qui me suit également depuis très très longtemps. Salut, ouais. Bien content que tu sois là Stoff. Merci d'être passé en tout cas. Merci de passer parce que t'es pas encore parti. Merci d'être passé, salut, ciao, à la prochaine. Ça me lance le MXGP2. Oh les gars, oh, je vous fais du farming, vous gueulez. Je vous fais pas de farming, vous gueulez aussi. Ah ouais, bon, MXGP2, c'est jeudi soir. Ah ouais, c'est jeudi soir. On va en faire un petit peu, sans déconner, je vous en ai parlé. Je vous mets l'eau à la bouche, on fait pas du teasing pour rien. Comme on dit, il est quoi, 20h49, allez. C'est tordu. Pourquoi esprit tordu, j'ai dit quoi encore? Ah, c'est Kevin qui met ça, je crois. Ah ouais, Kevin disait déjà quand est-ce que tu viens jouer avec nous. Bim. Là. Oh, c'est pas un gamin qui a pas le droit. Hein. Là, Kevin, il est tout de suite, tu vas voir comment on s'en occupe. Salut Louis, merci pour le follow. Alors, je sais pas, franchement, ça me sonne dans les oreilles assez régulièrement, donc je pourrais faire le bilan demain en fait. En général, je remercie tous ceux qui sont venus nous voir, je remercie ceux qui m'ont accompagné, soit en jeu, soit sur le TS, et puis on fait le point. Voilà, je dis, il y a X follow, Niki, Golf, ABG, merci pour le follow. Voilà, donc je ferai le point. J'étais à 228 avant d'attaquer. Ouais, c'est ça. Et là, on est à 264. Ah, d'accord, ok. Donc, ouais. Presque 40 follow, écoutez, c'est parfait. J'ai envie de dire, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Alors là, il y a un virage assez compliqué à passer. On va récupérer juste l'herbe qu'on avait fait en face. Bah, c'est bien, on continue finalement ce que j'avais attaqué en vidéo. Hein. C'est le principe d'ailleurs. Ouais. C'est le principe, hein. Tant qu'à faire. Putain, par contre, là, il y a des arbres dans tous les sens. Ok, Kevin, quand tu veux. Merde, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, votre tracteur il est cassé, il ne marche plus. Ah, si, c'est bon. Bah, non, c'est pas bon. Active. Ah, va falloir élaguer là. Bien Michel. Ah ouais, c'est la merde. Franchement là, ce coin là, c'est un peu la merde. Mais bon, on va s'en sortir. On va jouer avec la souris pour la caméra. Je m'étais fait chier avec l'antenneur là. Oh putain. En plus c'était un antenneur, l'antenneur, ouais, le Hawksbow là, comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'antenneur dit normal du jeu. Et franchement c'est un peu compliqué à gérer le truc. Ah, c'est pas celle qui déporte sur le côté. La jaune là. Ouais, c'est un truc du jaune avec des rouleaux là. Un truc ouais, un peu bizarre là. Franchement, je m'étais fait chier avec ça. Et là, surtout dans un coin un peu planté dans l'arbre, j'en étais sûr. Elle est énorme. Il y a Louis qui demande comment s'appelle la musique quand on s'abonne à à Twitch. Bonne question. J'ai trouvé ça, je sais plus où. Et ça dure un petit peu plus longtemps que ça, et ça fait à peu près la même chose tout le long. Donc je peux pas te dire, franchement, je suis désolé. Il dit que tu conduis bien, Juju. En plus, Christophe s'y fait le faux cul à mort là. Ah, il lèche, hein? Ah, il lèche, et quand c'est moi, il me taille en plus. Tu les as payé combien là, tes abonnés? C'est ça. Moi, je paye pas. Je paye pas et je fais pas payer non plus, donc c'est peut-être ça qui leur plaît. Parce que bon, Fab, il veut faire payer tout de suite. Il a 500 euros, maintenant il veut faire payer. Hein. Attends, pour la prochaine vidéo, il fait payer. Exactement. Putain, laisse tomber là, ça virole un petit peu, impeccable. Bon, comme je disais tout à l'heure, puisque voilà, on fera du MXGP, on se dit, il y a encore un quart d'heure, 20 minutes, si les autres sont encore là après. Attends, juste, ça bug perso pour Kevin. Qu'est-ce qui bug? Non, moi c'est nickel. Moi en tout cas, je regarde de mon côté, ça a l'air d'aller. Maintenant. Moi c'est impeccable.
Ouais, moi je regarde sur mon téléphone, c'est bon. Bon, si vous avez des si vous avez des mauvaises connexions. Enfin, après, ouais, c'est, en général, c'est un, enfin, ça peut être un problème de connexion si les autres ont bien. Une mauvaise connexion aussi. Hein. Ça dépend de vous, ouais. Malheureusement, je suis désolé. C'est quoi MX JP? C'est le MX à Jean-Paul. Oh merde, tu es coincé comme un blaireau là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais là, c'est ça. Alors, je dis MX, MX JP, c'est un jeu de course de moto, motocrotte. Voilà, de motocrotte, exactement. Voilà. Je suis coincé, obligé de rouler dans la culture du Jackie à côté. Je suis désolé, Jackie. Je t'ai niqué ta culture. Je sais même pas ce que c'est cette culture. C'est l'épeautre, non? C'est pas ça. Hein. C'est le chanvre. Fais attention à ce que tu dis, farming. Ça se vend, ça, non? Cher en plus, pareil. Ça se fume, non? Ouais, ouais, bah, ouais. Écoute, qui n'a jamais essayé, hein, vous allez pas me dire que. Hein, quoi? Ah, mais c'est pour faire des chemises. Des chemises en chanvre. Voilà. Faire des chemises. Allez. Les petites chemises en chanvre, t'as jamais vu? Les belles chemises en chanvre? J'en porte pas. Moi, je suis toujours à poil. Ouais, bah, je t'ai bien vu, effectivement. Hein. J'ai vu. Mélanie a bien apprécié, effectivement. Ouais. T'étais tout beau, tout rasé. Là. Les salauds. Il était pas magnifique celui-là, mais je sais plus où je l'ai vu. Je l'ai vu il y a pas très longtemps à la télé en plus, ce con là. Ah, mais le mec, excellent en plus. Mais le mec il monte sa tête, il fait 500 000 vues quoi. Ouais. Franchement. Ouais, mais il est super drôle en plus. Ouais, non, mais attends, je sais plus où je l'avais vu. Justement, il avait des problèmes avec les filles. Enfin, bah, c'est vrai que c'est pas évident vu le bonhomme, ouais. Merde, c'était déjà où là, l'herbe là-dedans. Pas en face. Arrive à gauche, enfin là ouais, à gauche. Voit... voilà à gauche là. Ah. Où tu remplis la machine ici? Ouais, je vais remplir la machine, d'ailleurs on va commencer à remplir la machine. Ouais, j'avais la paille là à gauche, mais. Ouais, t'as ah, mais j'avais pas stocké d'herbe, non, autant pour moi, ouais, je pensais que j'avais stocké de l'herbe, alors je cherchais un tas d'herbe comme un blaire, mais. Bonjour Max Caz, bienvenue. On est sur le Grand Jura, enfin Julien est sur le Grand Jura. Ouais. Alors moi je suis sur personne. Hein. Ni le grand blond avec les grandes chaussures, ni le grand Jura. Je suis sur personne. Je suis sur ma chaise. Hein, Vince, s'il te plaît. J'ai dit Grand Jura. J'ai demandé sur quelle map t'étais. Voilà. Merci, Ticha. A plus. En Savoie, il y a plein d'Opinel. Ouais, j'habite Saint-Jean-de-Maurienne. C'est le berceau de l'Opinel. Enfin, c'est Albi, exactement, le berceau de l'Opinel. Il y a Emily, le dragon, qui dit qu'il était sur la Grande Jura. Ah, la Grande Jura. Donc, bah non, c'était la Grande Savoyarde, hein, c'était tout. C'est, non, eh bien, elle est moins grande que moi, quand même. Ça, c'est bien, j'ai envie de dire. On est pas mal de ce côté-là. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, vous êtes un peu chaud, tiens, tout le monde voilà, est chaud. Christophe, il est sur Seb, tout de il suite. Il est sur Seb, bah voilà. Allez, on va pas faire attendre les gens plus longtemps. Je vous propose de passer sur MXGP. Ouais, bah attends, bouge pas. Je reviens. Ce mec de merde, il est content. Hashtag Jean-Marc, oui, Sopine. Allez, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, vous mettez en commentaire si vous souhaitez qu'on zappe Farming et qu'on passe sur MXGP, donc en compagnie de Seb, qui a le jeu, et compagnie de Fab, voilà. Vince va nous accompagner toujours sur le TS. T'as pas le jeu, toi, Vince? Eh non. Tu l'as pas pris? Tu veux pas le prendre? Je veux pas le prendre. Je veux pas le prendre. C'est bon, pas le genre de jeu qui m'attire. Ouais, t'aimes pas ça, toi? Non. Je préfère les jeux de vilain. Ouais. Alors Guigui me dit MXGP, Dragon MXGP, si vous êtes que deux, je reste sur Farming, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Fais voir ton jeu. Ah là, d'accord, je... oh, bon. Faut que je vote alors. Ouais. Le jeu de lapin, ça me va. Atazaros MXGP, oui mais pas Seb s'il te plaît. Et puis MXGP au volant, ouais, j'y ai pensé, FAC FS15, ah. MXGP, je veux de la Yamaha, Bonnie Gaeté aussi à Sky au soir. Au ski au soir, ouais, ski c'est I, mais bon, enfin je t'en veux pas. MXGP, bon, je crois que MXGP, on est d'accord. Allez, on quitte la partie. Ah, t'as plus de succès avec ton farming. Eh ouais, tu vois, bah écoute, mais c'est bien, moi, y a pas de souci. Autant si je peux faire autre chose que du farming, y a pas que farming dans la vie, et moi ça me va très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est que je branche ma manette à la place du volant, parce qu'on va pas faire de la motocrotte au volant. Oh, le petit joueur. Y a Gomix qui dit Jackie Michel.
Jackie et Michel GP. JMGP. Trouve une 103 Peugeot pour Seb. Allez, ça va être Christophe, c'est parti, ça y va. Là, tu me donnes une trottinette et je les bouffe quand même, hein, t'inquiète pas. La neige était bonne cette année. C'était un peu bizarre cette année. Je coupe le live 2 petites secondes, le temps de mettre en place le jeu et on est à vous tout de suite. A tout de suite, les amis.